en profondeur à la retombée. Il y a maintenant Maier qui est allé très très vite et qui a trouvé le bon enchaînement pour marquer le premier but de la partie. C'est arrivé sur la poitrine. Il a fini de gauche 1-0 pour le Stade Rennais. En face de nous, on avait une équipe positionnée assez bas, très compacte, qui a très très bien défendu, qui a été très bien organisée et qui nous a beaucoup fermé l'intérieur du jeu avec beaucoup de densité. On n'a pas réussi à trouver les espaces qu'on trouve d'habitude parce qu'eux ont bien joué, mais aussi parce que nous, je pense, on a manqué un petit peu de spontanéité et de justesse technique par moment. Mais on a réussi à débloquer la situation en marquant ce but sur une phase de jeu un petit peu inhabituelle pour nous, c'est-à-dire un long ballon et un deuxième ballon. Bien sûr, mais le premier but dans ce match-là, on savait qu'il était déterminant. Et je pense que même le deuxième, ça les a vraiment un peu mis un coup derrière la tête. Donc non, c'est bien. C'est bien pour Lovro aussi qui marque son premier doublé. Les Rennais bien joués encore. Traoré en profondeur. Encore Meille. Et encore Maier à la réception de ce ballon opportuniste une deuxième fois. Pour cette fois-ci, mettre à terre Mangala et les Stéphanois sur cette deuxième occasion. Lovro Maier récidive comme en première période. Il permet à Rennes, cette fois-ci, de mener 2-0. It's amazing. I'm really happy for the goals, but even more than that, I'm happy to help the team and manage to get the 3 points as always. And I'm really happy. But I don't focus on the individual things, as I said, and I try to show on the game. I try to help the team, and if it's with the goals, if it's with the assists, or it's with some other things, I don't care. As soon as we win and play a good team match. Très 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 fier d'être honoré par nos supporters. Je ne serai pas de remercier RCK qui a toujours été derrière nous dans les moments difficiles, dans les bons moments. Je remercie vraiment le RCK qui a fait un bel hommage. Et je suis très fier de faire de ce match pour ce grand club, pour ce club qui m'a tant donné. Je suis arrivé vraiment en étant un jeune joueur. Aujourd'hui, je suis un homme. J'ai pris beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup progressé. Voilà, comme je l'ai dit, je suis très fier de faire ces deux matchs pour ce grand club et très fier aussi de remporter ces 3 points. Et à nous d'être bons, continuer à rester nous-mêmes. On s'en fout de regarder les concurrents ou quoi que ce soit. Nous, on essaye de rester focus sur nous-mêmes, regarder ce qui a été, ce qui n'a pas été, essayer de progresser match après match. Et après, si on prend 9 points sur 9, je pense qu'il n'y aura pas de débat. Et bien, à nous de faire des gros matchs et prendre 9 sur 9. Ouais, mais aujourd'hui c'est dur de vous dire, ouais, nous, notre objectif il est toujours d'aller plus haut. Après, aujourd'hui je peux pas vous certifier qu'on sera en Ligue des Champions, mais bien sûr que sur l'ensemble de notre saison, pour moi, on mériterait d'y être. Après, on sait qu'il reste 3 finales à jouer, à nous de connaître, à nous de prendre le maximum de points. L'objectif reste la qualification en Coupe d'Europe pour la 5e année consécutive, ce qui serait pour le club une belle évolution dans la régularité des résultats sur la durée, ce qui est quand même important. Mais aujourd'hui, on est 3e, on a envie de garder cette place, on fera tout pour la défendre, même si on sait que ça sera difficile, parce qu'il y a d'autres équipes qui marchent bien aussi en ce moment. Mais en tout cas, maintenant, on doit avoir cette ambition-là. C'était pas facile, c'est des matchs qu'il faut gagner, et on l'a fait. Et on l'a fait plutôt avec la manière. On doit encore s'améliorer dans certaines choses, mais c'est normal, on peut toujours s'améliorer. Donc bravo, félicitations. Reprise de l'entraînement. Et où, Mercredi après-midi. Ah, bravo.